أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc c'est un dernier du chapitre concernant la guerre au Houthi. Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons terminer, nous pouvons terminer, j'espère, avec quelques bénédictions qu'il y en a là-dedans. Donc, je me suis dit qui c'est là, Ma'bad ibn Abu Ma'bad. Lui, il n'est pas toujours accepté l'islam, mais c'était bien sympathisant avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'espère qu'il va dire, Allah t'a pas fait de faire des fêtes en cours, il n'y a pas de vent. Et lui, quand il finit de traverser, il finit de faire une zinzir qui, il fait traverser côté Abu Sufyan avec Banna, Banna, plusieurs kilomètres, parce qu'il est 60 kilomètres. Après Madina, Abu Sufyan peut demander comment les musulmans, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire. Il n'a pas envie de connaître un petit peu. Donc, il a dit comment, qui, ben, je suis plus déterminé que jamais, ben, qui n'a pas fini pour un port de la guerre, il a intégré l'homme, et ben, je peux taper en bout. Ça veut dire, ben, au fait, ben, coutume qui tient à la Jahiliya, ça veut dire, quand il y a la guerre, je tape en bout, je fais serment qui, un pour un, je pour mot. S'il fallait un tribunal être fini. Donc, vous verrez comme ça, maintenant, je suis déterminé. Mohamed, je suis allé 500 flambeaux. Je vais préparer pour venir attaquer. Et à ce moment-là, en même temps, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu peux venir, tu peux traverser, tu peux aller. Quand il finit de dire ça, il finit de faire un poème. Quand il finit de dire, dans le poème-là, il finit de praise Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Et aussi, il finit de praise ben, Quraysh dans Makkah. Après ça, Abu Sufyan n'est pas fini de lui ainsi à l'intérieur de lui, il est intimidé. À l'intérieur de lui, il finit intimidé. Mais seulement, il n'est pas fini de lui ça à l'impression. Il dit qu'on va dire Mohamed qui nous pourrait venir attaquer encore là. Il dit qu'on va nous donner un autre rendez-vous encore l'année prochaine. Après ça, c'est là, un autre du monde que tu peux traverser, lui, il peut sortir depuis. Il peut pas traverser comme maintenant, il peut retourner Madina. Et Abu Sufyan, toujours, il connaît Abu Sufyan. Et il va nous connaître qui ben habite en Madina, en général, ben, dans Ben Marca, je tiens à dire une relation entre Marca et Madina, parce que ben, je viens faire Oumran l'intervalle Hajj, je viens faire un jeu de bon sens 10. Donc, Abu Sufyan, il dit qu'on dit à Mohamed qu'on qui donne lui rendez-vous qui nous pouvons attaquer l'année prochaine dans Bad. À ce moment-là, ça, il finit qui termine comme ça. Maintenant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit le champ de bataille. Il y a un seul prisonnier ben musulman qui est capturé. Il appelle Abu Ruza al-Jumahi. Donc, Abu Ruza al-Jumahi, qui était le tien poète? Il était la guerre contre ben musulman dans la guerre Badr. Ben, il a capturé dans la guerre Badr, c'est pareil. Mais c'est moi, dans la guerre Badr, les films pleins, quand ben a fini capturé comme prisonnier, les films venus, les films pleins avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de filles, il y a madame, il y a des enfants. Ben appelation pour guette banna, laisse-moi aller. Et lui, il ne paye pas son nom. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il laisse aller, mais c'est moi, Rasoul qui mettait une seule condition avec lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça m'appelle l'histoire, allez, mais c'est ma condition, tu jamais te reviens dans la guerre contre moi. Il finit accepter toutes conditions là. Et qui dit fin fini, l'étant courage, je peux préparer pour la guerre, il dit qu'on propose un poème pour nous. Il dit que je vais finir pour mettre Mohamed qui ne va pas pour la guerre contre lui. Abu Sufyan dit que nous 3000 dirhams là, tu peux imaginer, d'abord, ben, tu 313. C'est-à-dire, je peux calculer au moins, je peux calculer le numéro 1, c'est qui quand j'étais musulman, il convertit là-bas dans sa haine, là. Je ne sous-estime ça, la fausse, là. Deuxième affaire, c'est qui, pour eux, je peux prendre l'homme au moins 10 fois. Et normalement, je peux faire une attaque surprise, le ressource, c'est-à-dire, normalement, ben, le musulman pas supposé préparer, pas supposé connaître rien. Et de toute façon, comme tu dis, je te fais sa force strike là, c'est-à-dire, un voyage qui est dans 10-11 jours, je finis faire un mois qui 7 jours. Ça veut dire, aujourd'hui, l'homme peut sortir dans les 60 semaines, il peut finir dans Madina, il peut finir attaquer. Il dit comme ça, est-ce qu'il doit penser qu'il nous pourrait agir avec sa conseil du monde, sa vie, qu'est-ce qui nous pire, etc. Ça compte ces hommes qui nous finissent amener là. Il dit, allez, compose quand même pour nous. Après, je finis inciter pour la guerre, ensemble avec Ben Moussik. Ben, il dit comme ça, à vous dire, même si tu es mort, je vais te former, je vais te enfants, pareil, je vais te pour moi. Et nous disons, dans l'époque d'Ahiya, arabe, je tiens la parole. Jusqu'à ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit. Donc, qu'est-ce qu'il finit?
les films tentés par Ben Profi concernant Dunia, les films ensemble avec Abou Soufiane de la guerre, et maintenant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les replays avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de l'autre, Zubair ibn Awam, pour exécuter. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, pour ne pas dire qu'il peut devant Muhammad fin être piégé des fois. Et là même, nous gagnons, ça hadith, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un musulman, il n'est pas gagné piqué dans un trou, des fois. Maintenant, dans Madina, c'était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin retourné. Quraysh tient un espion dans Madina. Il s'appelle Muawiya ibn Mughira. Donc, pas ça Muawiya que nous connaissons, Khalif Kibin Sahaba, pas les vins, pas les tiens. Un autre Muawiya. Muawiya, ça Muawiya ibn Mughira là. Rasoul Sassam, comme ça, me le doit dès les 3 jours. Quitte Madina, par là. Rasoul Sassam, me le doit dès les 3 jours. Tu quittes Madina, tu allais, tu par là. Et Rasoul Sassam, il connaît un espion depuis Makkah, depuis Ban, Quraysh. Donc, là, qui est arrivé. Il va finir sa vie dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il finit continue, reste dans Medina. Et après 3 jours, pareil, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit prendre ici, finit exécuter. C'est-à-dire là, nous pouvons trouver que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit envoyer un message bien bien faux à Quraysh. Maintenant, après ça, nous disons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est sorti de ce qu'on appelle Hamra al-Asad. C'est-à-dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les fins lendemain au Houd, Rasoul finit envoyer Ali Rodelohan avec une armée. Après ça, Rasoul finit prend l'armée en colisie, les finales jeunes jeunes. Et Rasoul alayhi wa sallam finit mettre conditions qui existent, ben qui participent de la guerre au Houd, qui pourquoi pas voilà sa expédition là. Le temps Rasoul est sorti, Abdullah ibn Ubay. Chef de Ben Munafik, lui demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis une mission pour lui sortir pour y aller ensemble avec lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il reste quand même, pas besoin de venir. Il y a aussi Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah, il veut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas content, il veut dire moi qu'on la guerre avec lui. Et Jabir ibn Abdillah, lui, il n'est pas fini à la guerre au Houd. Ce qui fait qu'il n'est pas fini à la guerre au Houd, parce qu'en fait, son papa va dire je finis de mettre la pauvreté, au moins un pour bien rester, c'est-à-dire pour lui guider sur Ben Serre, il y en a beaucoup Ben Serre. Et lui peut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, laisse-le aller. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit de lui, c'est-à-dire pas une belle exception, comme Ali, qui finit dans la guerre Hamratul Asad, c'est Jabir ibn Abdullah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui finit PMT. Maintenant, ce qui est musulman connaît tous les temps, c'est que la guerre Uhud, c'était celle des faits que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire. C'est le fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire. Est-ce que la guerre au Houd, c'est un défait à ce nous pouvons analyser ça. C'est une question bien critique dans les premières affaires. C'est que quand nous guettons, il y a plusieurs langues pour nous guetter la guerre. Son résultat. La plupart, ben qui analyse, je finis guette ça, c'est en termes de mots. Ça veut dire, et. Côté Ben Musulman, il y en a plus qui se sont dit ce qui filme, Shahid. Côté Ben Kafir, ça veut dire qu'il y en a environ 22 qui filme. Ça veut dire que si nous guettons juste dans la langue, définitivement, un dimon ne peut dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam filme fait des faits. Maintenant, nous analysons bien. C'est-à-dire, première affaire que nous devons guetter, c'est l'objectif de la guerre. Pour kiffer, numéro 1, ça veut dire kiffer in la guerre. Normalement, quand nous guettons la définition de la guerre, c'est nous retrouvons qu'il y a des parties, soit des gens, qui ne sont pas fin tombe d'accord sur un certain kitso, sur un certain principe. Et à ce moment-là, quand je ne suis pas fin tombe d'accord sur là, à ce moment-là, naturellement, il est capable d'une discussion jusqu'à finalement, il vient la guerre. Quand un lali, c'est qui pour gagner lali. Lui pour faire ce qu'il fait une PSI là, d'une façon de nous dire, prend position, prend même position qu'il est, il prend. Dans l'analyse à guerre là. Donc, l'objectif, ben musulman, il a un seul objectif. Défendre Medina, défendre din Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas ce qui fait l'attaque Quraysh, c'est-à-dire Quraysh qui peut attaquer Zut. Ça veut dire la guerre au Houd. Pour Ben Musulman, il est défensif. Dans la guerre,
côté Ben Kafir, Ben Quraish. Pour eux, qui est l'objectif? Ça veut dire pour eux, c'est la guerre offensive. Un offensive war. Pour eux, ça veut dire que je vais attaquer. Deuxième master. Vous êtes l'objectif de la guerre-là, parmi les petits grands objectifs qui tirent de la guerre Uhud, du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, c'est faire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ben musulman, éclater la force ben musulman. Ça veut dire qu'il va dire qu'il y a une caravane qui se fait traverser entre Medina avec ça, à peu près 150 km là, de la mer, derrière de sa boucle-là. Je supposais libérer ça. Ça veut dire faire ça, comme on appelle un safety passage pour cette caravane. Ça veut dire ni Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je pas fini réussi, puis ni. Ça veut dire quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est là, c'est pas la première tentative. Dans ma carrière, il y a plusieurs tentatives. Que dernière tentative là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fini réussi, faire hijra, nous pouvons gagner. Ça veut dire là, je suis une faillite. Deuxième, je te recasse à la fosse ben musulman là. Tu maximum musulman. Je ne parle pas ici là-dedans aussi. Je ne tue 70, oui, mais seulement je parle ici tu maximum musulman. Ça veut dire, si nous calculons le 100, ça veut dire un dixième l'homme et tout celui que je t'ai tué dans la guerre, ça veut dire musulman 700, il y en a environ 70 qui je finis tué. Troisième, ça, pour sécuriser ça, la route, ça veut dire que je caravane là, après la guerre, ça veut dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue à se faire caravane, ça veut dire que je ne suis pas capable de passer en cours. Moussama n'avait pas attaqué d'autres choses. Je fais l'encours. Quatrième master. L'objectif, c'est pour prendre une madame musulmane comme prisonnière et comme esclave. Une madame prisonnière, je ne vais pas finir. Ça veut dire, là, nous dans tout ben kafir, dans tout ce ben l'objectif que je finis mettre pour la guerre, tout je fais faillite. Tout je finis perdu. Ça veut dire, ni je finis restituer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ni je casse la fosse musulmane, ni je finis capable de sécuriser caravane. Ça, ce passage, ce chemin-là, libérer ce chemin-là, on peut se mettre musulman, j'ai bien attaqué, ni je réussis à prendre une madame comme prisonnière, une madame musulmane comme ban esclave. Malgré que je, 7 jours, je finis à aller vite, vite, et je, ben musulman, tu finis préparé. Et Abou Soufiane, il se fait buter, ça veut dire, il y a quelque chose qui va dire qu'il ne pas roule droit. Parce que, normalement, je supposais. Attaque même musulman, pas contre Uhud, c'est je supposé attaque même musulman dans Medina, une surprise attaque. Ça veut dire que quand je peux rentrer, ça veut dire qu'il faudrait que, quand je peux rentrer, je finis pas surprise, je finis surprendre ben musulman, et à ce moment-là, il va dire ben musulman, je ne sais pas guetter qui stratégie, qui la guerre, mais musulman qui est arrivé, il finit la guerre, il finit faire ça, il finit chose, il finit prendre place. Ce qui est plus extra encore, ça veut dire qu'il stratégie la guerre. Musulman, il finit plein de stratégie, la guerre, code pour la guerre, code pour placer, etc. Et nous tous connaissons une autre affaire qui est arrivée, c'est que, dans la première partie de la guerre, c'est ben musulman, je finis la première partie de la guerre. Et deuxième partie de la guerre, c'est Quraysh, ça veut dire ben Mouchrik Makkah qui finit la deuxième partie de la guerre. Maintenant, maintenant, qui s'en a? Dans la deuxième partie de la guerre, c'est moi, une affaire qui est drôle là-dedans. C'est qui? Ben musulman, je finis dans la montagne. Nous gagnons dernier parti dans la guerre, c'est que Moussa Mahin regroupé. Nous disons que quand la guerre finit, c'est Omar et Khalid ibn Walid qui est ben musulman là-haut. Omar de là, il prend une équipe ben Muhajir et ensemble, ben Sahaba qui est avec lui, il descend la guerre contre eux. Il y a Khalid ibn Walid qui est remonte là-haut, qui est pénétré sur l'homme là pour aller tuer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que je finis le premier coup de flèche, un du monde finit au côté d'un côté ben Moussik. Je vais continuer à faire forcing. Un deuxième du monde tombé, je vais continuer à faire forcing. Un troisième du monde tombé. Finalement, qui est arrivé? C'est je vais retourner, je vais retreat. Et musulman, fin reste, ça veut dire, dans Uhud, nous voyons que musulmans, les fin restent au champ de bataille. Les musulmans continuent à se regrouper. Je quitte le champ de bataille, je vais aller. Ça veut dire Khalid bin Walid avec Banna. Ça veut dire, je vais être en train de finir, je vais pas finir bien, en gros. Ça veut dire, là, nous trouvons musulmans. Musulman, il reste sur place. Je dis, allez, je dis une question de bataille. Ça veut dire, ça, il monte ainsi, victoire ou même musulman. Un autre affaire encore. C'est qui, quand, lendemain, l'état Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, finit en voie, Ali, radiallahu anhu, avec un groupe, ben, musulman, pareil, ça veut dire, pour challenge, maintenant, pour vivre la guerre encore, ça veut dire, maintenant, je suis dit, je suis de l'autre côté de la montagne, ça veut dire, comment dire, il arrive à un moment, quand chacun, comment dire, des loin, il peut trouver, ce camarade,
des lois n'existe pas en dire mon temps fait c'est pas juste voilà à ça je fais trop ben flambeau ben musulman puis allumé etc mais c'est moi je pas fin quand on dit un courage zoom pour venir pour revenir la guerre contre ben musulman et ça on va dire fin elle est maintenant je morale et spiritualité ça veut dire augmente je morale je fais faire ben musulman je psychologie une fois qui nous pas faible nous pas fin faire défaite et là si ça veut dire je pas fin venir la guerre et là si pareil Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Hamra al-Assad quand Rasoul fin arrive le terrain, ben la finale. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui disait tout ce principe qui était reste 3 jours le champ de bataille. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui reste en place en comparé. Fin attend mana pendant 3 jours, je ne pas fin, vini, et au fait qu'il finit arrivé, là si pareil, ça va être deuxième. Ce qui beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a une musique des fois qui est terrain. Un le Ohud, deuxième le Hamra al-Assad. Je ne pas fin et la courage. Et pourtant, quand je suis là-bas, Tchena, Rekrima ibn Abi Jahal, il peut dire avec Abu Sufyan, mais nous pas fin gagner en rien, nous la guerre oui, mais nous pas fin gagner en rien, nous pas fin gagner, nous pas fin te restituer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous pas fin réussir casser la fosse ben musulman, nous pas fin réussir gagner aucun madame comme ni prisonnier ni comme pour penser comme ben esclave. Et le temps nous quitte l'autre côté Aster, côté ben musulman, je comment nous fin mentionner t'as là, c'est que je te fin réussir gagner un prisonnier et je fin exécuter tout, mais je ne pas fin gagner, ça veut dire ça c'est une victoire pour ben musulman. Maintenant, l'autre affaire encore, c'est que je finis une autre chose que je dis faire encore, c'est que vous ne pas connaître. Quand je suis pour la guerre, c'était je supposé attaque Medina. Quand on veut dire attaque Medina, qui veut dire ça? C'est pas attaque Ziz Ben Dimouna, c'est Pi Ben Dimouna. Ça veut dire qu'aucun prend ce ben affaire, c'est retourne la case. Ça veut dire, ben, qui sont personnels, qui sont tiennent dans la case, parce que quand on attaque Zot, ça veut dire que tu supposé massacrer Ben musulmans, prend ce ben qui sont personnels. Capable de vous donner la montée, sa mot, troupeau, mouton, etc. Même qui sont qui je tiens là, si je tiens là à récolte, c'est-à-dire prendre je ben tam, je ben récolte, etc. Donc tout cela, si dans ce plan. Jean-Paul Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pareil. Ça veut dire ça. Ça c'était, d'une façon, je disais, troisième phase qui peut arriver dans la guerre là. Mais ça ne va pas réussir à arriver. Je ne vais pas venir ici introduire, je ne vais pas venir ici implémenter ça du tout. Et l'autre petite chose encore, nous avons une analyse côté ben mot. Même côté ben mot pour ben musulman il y a une victoire. Comment il y a une victoire pour ben musulman à Aster? Omar al-Awan étant Abu Sufyan qui demandait côté ben musulman était est-ce qu'il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vivant pas de répondre est-ce qu'il Abou Bakr Siddiq vivant pas de répondre est-ce qu'il Omar al-Awan vivant pas de répondre Omar pas de carter la vie les années comme ça au toi l'ennemi Allah Ta'ala tout ce qui te mentionne tout encore vivant et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam reste tranquille. Après ça, pas devant un petit bout encore dans le dialogue là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit répond aux autres, Qatlana fil Janna. Nous ben mots aux autres shahid, je dans le paradis. Donc nous avons beaucoup de hadith qui, quand Allah ta'ala, l'hypécose concernant, ou soit même ben ayat courant qui finit descendre, quand Allah ta'ala dit Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. N'a pas dit ben qu'il mot dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ben mot. Ben ahya un inda rabbihim yurzaqoun. Au contraire, je suis vivant. Auprès Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala l'hypécose. Nourrissent. Et d'abord, très, très brièvement, ben musulman, j'étais là, 5 levels. Ben musulman qui parle de paradis, nous pouvons dire d'abord. Donc, premier niveau, nous pouvons dire ben prophète. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant il dit comme ça, Rindal Malaïl A'ala. Oh Allah, auprès de ben pli au gradé de ben 11. Juste après ça, nous gagnons une deuxième position. C'est ben Shuhada, je accroché avec ben Zouazo, qui de faire les tout trônes Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai envie, je vais aller. Donc ça nous gagne deuxième niveau. Nous gagnons un troisième niveau que ben Moukmin, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, certainement, ben Moukmin, je peux lui attacher avec un pied dans Jannat. Mais ma quatrième niveau, c'est qui lui pouvait dans dans Kabbal, que sa Kabbal là, lui pouvait ouvrir. Et la Riwayat mentionne 70 coudées, et la Riwayat mentionne jusqu'à l'origine. Ça veut dire, dépend qui quand c'était bon, action, ça du monde les films faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait compenser. Et le cinquième niveau, c'est qu'il y a un mujahid qui tient la dette. Je ne vais pas vous dire, je vous dis devant la porte, paradis, et la rivière qui peut passer, depuis le paradis, il sort en dehors. Ça veut dire, je vous manger, bro, depuis dans Jannat. C'est ça, cinq niveaux là. Donc, ça mène le mujahid là, c'est après le prophète, je gagne plus haut niveau qu'il y a. Pour un plus haut niveau qu'il y a dans. Dans le paradis, et je dis, si nous, ben frère, ça veut dire qu'il y a encore la terre, tu connais quand nous étions là, je suis content dire, pour la guerre, pour mourir dans le chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, pour venir,
ou vin join nous. Maintenant, nous gagnons quoi nous dire banan zout, je ben mo kote aller astia, je ben mo zout, je fin la guerre contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je fin la guerre contre Ben Sahaba, ça veut dire je ben mo pour aller dans l'enfer. Maintenant, nous gagnons un petit peu quelques ben leçons qui nous capables de tirer depuis dans Saragera. Alors, première leçon que nous tirer, c'est désobéissance en Amir. Raison principale qui fait ben musulman qui piétine la guerre, c'est qui ça a 40 OC quand je finis désobéir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son commandement est clair. Avant la guerre, n'importe qui arrivé n'a pas quitté de place. Mon père envoyait un kikan pour venir des autres retourner. Deuxième, commencement la guerre. Allah Ta'ala, tu finis pour mettre des victoires avant la guerre au Houd. Ça veut dire quand Ban Mujahid, tu peux sortir Ben Sahaba, l'objectif c'était qui était pour la guerre, pour dire Allah Subhanahu wa Ta'ala prévaloir. Quand je finis gagner, j'ai l'intention de changer. Je commence ma zine dunya. À ce moment-là, Allah Subhanahu wa Ta'ala qui finit fait une goutte défaite. Donc là, il montre un affaire extrêmement important. Souvent, nous mettons l'emphase au-delà, l'intention du mot. Pour faire une action. Tout petite chose, il n'a pas un lobin, mais il y a tout bien action qui nous fait, nous défendre l'intention. L'autre petite chose, l'autre leçon que nous tirons de la guerre Uhud, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui finit dévoile ben munafiq. Les films fait pour la guerre là, ça veut dire malgré qui le film traverse pour un moment tragique, mais aussi il a même bien fait dans la guerre. Ce qui était, c'est qu'Allah Ta'ala fin dévoile les musulmans concernant les munafiques. Ça veut dire qu'il fait attention à jeter un ennemi interne. Et un ennemi interne est beaucoup plus grave qu'un ennemi externe. D'ailleurs, il y en a à peu près plus que 350 versets dans le Coran qui Allah Subhanahu wa Ta'ala fin cause concernant. Ben, munafik. Ça veut dire, et un munafik, il est dans la société des musulmans, il est ensemble avec ben musulman. Ça veut dire, tu sais que ben action qui te fait, il fait presque pareil. Mais c'est ma, quelle différence qu'il y a, c'est qu'il est sur lesquels il y a un kafir. Il n'est pas quoi dans Allah, il n'est pas quoi dans l'islam. L'autre question encore qui nous tirait, c'est qui, après ça, la guerre, ce ben, comment dire, ben aftermath, ce ben counter-effect, c'est qui, ben nous vous trouvez qu'on ne va pas un peu dans la semaine quand l'histoire de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue nous prenons ben tribu qui apporte la guerre au Houd je vous pensez qu'il y a un musulman in affaibli se prépare pour une attaque d'Islam en cours ça veut dire ça un ben dégât qui la guerre au Houd vient faire l'autre côté astia un djimoun victoire les vignes des pieds Allah subhanahu wa ta'ala l'autre question qui nous tire tout petite chose n'y traverse pas Allah subhanahu wa ta'ala pas qadar pas destin. C'est qu'il y a la fin de décret, soit de nos côtés à ce que nous supposons faire la tâche. Et prépare pour eux la force, les hommes, etc. Ça veut dire pour nous capables de défendre, pour défendre l'islam, pour défendre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire faire tout ce qu'ils sont capables en leur capacité. Donc nous demandons à la tâche, mais comprenons le cœur. سبحان الله وبحمده سبحان الله لك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك